I decided to open this gallery because it's been 20 years now I've been working with artists. Myself, I'm a photographer. And first of all, it was for my photos here. But then after months among my picture, I decided to open the space to other people, other artists. Market right now is not the best time maybe for the market, for the art market, but we still have clients, people are, you know, enjoy and like to see painting, new things, and discover artists. So I think it depends where you are, of course, but also who you present and the feeling, the general feeling that people have in your space. Now people are more and more, I think, aware of that this gallery exists, and I think it's I really have my place now. So it's after just a year of existence, it's not too bad. I love to mix arts and different like video photography or installation, and that's what we're gonna do next week here with Linda, that she's gonna read text with music amongst her paints. I started to expose here. The first show was the exhibition. Sorry, was a very famous artist painter from Colombia. His name is Carlos Jacanamijoy, and the only thing is was not famous at all in France. Nobody really understood his work. Linda's work, what you've got here behind, is very similar from this first exhibition I did a year ago. My grandfather used to live in India for 20 years maybe, and my aunt is a teacher, and I know India since I was like 15, so I've got a good connection with India, and I love this country, so I would love to, of course, to represent Indian artists, or painters here, or photographs, or, well, any artist would be good. Linda Bouguerara, artiste plasticienne, j'ai commencé à peindre très tôt, très jeune, j'avais 8 ans. J'ai grandi dans une famille où toutes mes tantes faisaient du tissage. C'était elles qui teignaient, qui préparaient leur teinture, qui préparaient la laine. Donc c'est vrai que j'ai grandi avec des femmes qui étaient dans cette tradition justement de la couleur. Certes, je n'ai pas suivi le même chemin qu'elles. Elles étaient dans les tapis et les poteries. Mais je savais que c'était un monde qui m'intéressait, que c'était ça que je voulais, qu'il y avait quelque chose dont je pouvais raconter ou l'exprimer. Et voilà, c'est comme ça que je suis venue à la peinture. Cette exposition, je l'ai intitulée « Mémoire intime », parce que tout simplement, il y a tout un travail que je fais autour de la mémoire. Déjà à travers les matériaux que j'utilise, mais aussi à travers des souvenirs. Voilà, c'est un peu, au niveau des matériaux, c'est des pigments naturels, c'est des végétaux, c'est un peu la mémoire de la terre et de la mer. Et au niveau de ces pigments, dans mes voyages, je rassemble toujours un peu toutes ces couleurs que je vois. Là où je vais, quand je trouve qu'il y a des couleurs naturelles, tout de suite elles m'interpellent et je sais que je pourrais justement exprimer mes sentiments ou alors exprimer plus exactement ce dont je crois à travers ces couleurs. Et cette exposition, c'est vraiment un ensemble d'œuvres que j'ai réalisé sur les 10 dernières années. Voilà, donc c'est une exposition qui commence à une des premières œuvres là, c'est 2007, et jusqu'à 2016. Donc c'est vraiment un travail pour moi. C'est un travail de mémoire à travers les œuvres que je présente. Et quand je dis mémoire intime, c'est par rapport aux thèmes sur lesquels que je traite, qui relèvent plutôt de l'intime, quoi. C'est-à-dire c'est un peu mes sensations, mes sentiments, mes idées un petit peu que j'avais envie d'offrir et de présenter. Le fait de baigner dans ces
double culture, je dirais même le triple culture. Pour moi, c'est une richesse d'avoir plusieurs cultures à la fois. Je suis algérienne, voilà, j'ai quitté l'Algérie, j'avais 25 ans, et puis depuis je vis à Paris, mais je ne cesse de voyager. Le travail là que je présente, tout ce qui concerne justement les végétaux et les algues que j'ai transformés en papier, c'est vraiment un travail très très récent que j'ai réalisé ces deux dernières années, et une grande partie c'était plutôt cette année, et donc je dirais que c'est la première fois qu'il est présenté. C'est une porte ouverte, c'est-à-dire que à travers ces végétaux et ces algues, on peut aussi exprimer, après on aime ou on n'aime pas, mais il y a toute une expression artistique qu'on peut justement à travers ces matériaux. Et c'est ça que j'ai trouvé très très beau à la fois. Et qu'après on se retrouve avec une forêt, voilà, et qu'on décide, c'est-à-dire on le fait cuire, on le transforme en papier. Je trouve que de la nature d'arriver à un résultat comme ça, il y a quand même, c'est tout un processus de réflexion, mais qui en réalité, comme je disais, est à la portée de tout le monde. Après, chacun exprime ses sentiments, chacun exprime sa sensibilité, mais c'est à la portée de tout le monde.